ringouet. Je suis toute tourneboulée, pauvre. Je suis pas contente, hein, que Mme Bucette, que son mari Jules soit enfin de retour. Notez, je connais pas, mais je suis pas contente quand même, hein. Et pour Simon, là, et la Ginette, qu'est-ce que je suis heureuse. J'avais peur que ça finisse mal, cette affaire. Parce que les affaires de Blanchichard, ça n'a jamais pu être fausse, hein, en fait. C'est pas vrai, ça. Mais tout de même, ils sont naïfs tous les deux. Enfin, tout cela se finit bien. Pas d'argent, pas de sel, pas de coupable. Mais surtout, ne rien dire à mon pas. Et au fait, mais je ne l'ai pas encore dit. Elle n'est pas encore descendue. Elle ne va pas tarder pour le petit déjeuner. Surtout, ne rien dire. Maman Bertha, eh ben, il y a longtemps qu'elle est partie, hein. Elle n'est pas bien déjeunée ce matin. Puis hier soir, elle a dû rentrer très tard, hein. Bon, comment savez-vous ça, Maria? Ben, elle n'a pas déjeuné hier soir. Et ce matin, quand j'ai ouvert le frigo, je me suis aperçu qu'il avait été visité. Ben, alors, conclusion. Belle, bravo, Maria. Belle perspicacité. Vous êtes meilleure que Juliesco. Ah, bon, moi, celle-là ne piquera pas la place, hein. Ah, nos tourteaux au Mexique, hein. Oh, ben non, vous savez, le Mexique, hein, c'est foutu, hein. Bon, c'est vrai, mais c'est dommage. Et vous savez que j'allais vous demander de m'y inviter. Bon, les documentaires de Arte ne me déplaisent plus, hein. Au début, je jouais le jeu. Lorsqu'ils nous montraient le Mexique, je mangeais des tortillas. Quand ils nous ont parlé de la Polynésie, j'écoutais les musiques tahitiennes. Et quand ils vous ont montré la Laponie, vous avez pensé à laisser le congélateur ouvert? Elle n'est plus mexicaine, mais elle a du mou. On lui tamponnera sa carte de séjour. Oh, c'est gentil à vous. Tati. Bonjour à tous. Je salue humblement cette belle assemblée. En souhaitant que la lumière de ce jour radieux éclaire chacun de ses pas et de ses actes. Après Espagnol et Chinois, ben moi il va falloir que je m'achète un autre lexique, hein. Bon, ben c'est pas que je m'ennuie, hein. Mais il y a du travail à faire, hein. Faut pas tarder. Il est comme ça depuis hier soir? Oui, enfin, non, pas complètement, hein, parce que il doit, et puis toi, tu... Enfin, depuis, vous avez dû avoir du temps à rattraper, hein. Oui, oui, bien sûr, hein. Oh, il n'a pas arrêté la nuit. Bonjour à tous, quelle belle journée. Ah, notre part plus belle, que tu vas bien et que nous sommes tous réunis. Roberta n'est pas descendue. Elle est partie de très bonne heure ce matin. Ah, enfin, un fonctionnaire qui prend son métier à cœur. Hélas. Donc, elle n'est pas là, je vous rappelle que... Simon et Sophia ont bien du Mexique et nous ne savons rien de la palette et du fric. Oui, mais il faudrait pourtant aussi que l'on éclaircisse les raisons de tous ces départs. Tu as raison. Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Si, mon chéri, il faut être clair et tout se dire. Enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Ouf. Un jour, avant de faire un bien clic, juste au coin de la rue du Bleuet. Sur un panneau publicitaire, il y avait la pub d'un voyagiste. Elle représentait la grande muraille de Chine, avec ce slogan. Côtoyez l'infini, partez en Chine. Je ne peux résister. Oui, eh bien, si tu avais regardé à droite, il y avait un panneau sur les sols d'un castorama. On aurait pu faire la salle à manger. Pas tout de même, papa, de là à partir. Oh, tu sais, la routine me pesait. Et puis, une vie trop bien réglée devient quelquefois lassante. Et toutes ces images qui défilent à la télé d'un monde que l'on ne connaît pas vous donnent un vertige, une soif d'évasion. Les années passent, l'âge s'avance, on se dit qu'il n'est peut-être pas trop tard.
Alors il suffit d'un déclic. Et à maman, tu y as pensé? Et à nous? Et à l'inquiétude que nous nous faisions? Bien sûr, mais c'est besoin de partir, était irrépressible, comme disait l'autre. Oh, oh, mais tu nous emmerdes avec ton lance, là. Ce n'est pas lui qui nous a fait bouffer pendant ton absence. Heureusement que Didier était là pour faire fructifier l'entreprise. Tiens, justement, en parlant de l'entreprise... Je n'ai pas fini. Oh, merde. Pourquoi as-tu attendu que Michel te retrouve pour revenir? Je ne l'ai plus. J'ai fait notre réaction. Ouais. Faire du retour. Et c'est Michel qui a été le déclic. Déclic, déclic. Mais c'est des claques qu'il lui faudrait. Allons, Tati. Tout va bien maintenant. Et toi, Simon, pourquoi? Oh ben moi, j'en avais marre d'être materné, que l'on décide toujours tout à la place, d'être pris pour un minus, raté. Alors j'ai eu envie, moi aussi, de partir, de prouver que je pouvais réussir. Ailleurs. Mais pourquoi le Mexique? Oh ben, quand papa est parti, j'ai écouté tous ses disques. Et en force d'entendre Luis Mariano s'y gosiller. Mexico! Mexico! Je me suis dit pourquoi pas. Alors, en somme, s'il avait aimé Michel Delpech, eh bien tu serais resté dans moi, mes chers. Voyez quel vent mystérieux incline nos destinées. Avec comme sésame ce fameux-ci, césure entre le rêve et la réalité. Ils parlent tous comme ça, les Chinois? J'y mets. La césure, c'est un temps de respiration qui coupe un alexandrin en deux sémistiches. Jules, emploie là une allégorie métaphorique pour nous faire toucher du doigt ces mondes parallèles et pourtant opposés que seuls les esprits supérieurs peuvent appréhender. Vous avez compris? Oh. D'accord. Eh bien finalement, je préfère l'espagnol. Le si, cette frontière à la fois impalpable et fragile entre ce qui est et ce qui aurait pu être. Ainsi vont les choses de la vie, qui peuvent être à la fois tout et leur contraire, et qui font quelquefois que les plus grandes vertus génèrent les plus grands vices, comme disait Confucius. Ainsi, tenez, si l'on aime l'argent, on peut devenir banquier. Voilà. Oui, on remarquez que la limite est souvent floue, hein. Un homme qui rate ses études peut facilement devenir poivreau. Et s'il est tourné la tête à droite, eh bien, sinon on aurait pas quitté le Loir-et-Cher. Et si j'ai... Tu aurais refait la salle à manger. Et si j'avais quitté... Si j'avais écouté Michel Delpech, sinon on n'aurait pas quitté le Loir-et-Cher. Je sais qu'un jour j'y partirai. D'accord. Et vous comptez y aller comment, papa? Oh, peu importe, bateau, avion. Oui. Et la nage? Ça vous tente? Oh non, je dis ça parce que ça coûte beaucoup moins cher. En certains moments du monde, c'est pas améliorer, mon genre. Bah, nos finances non plus, beau papa. Vous avez pourtant laissé une situation saine et prospère. Mais il est vrai que j'irai tout à l'heure. Tu es en train de nous dire que nous traversons une mauvaise passe, mon chéri? Une mauvaise passe? Mais c'est un euphémisme! Un œuf et quoi? Oh. Mais viens, nous ferons un peu plus attention, voilà tout. Que j'irai voir chez le coiffeur. Tu verras, on montrera la porte. Quelques sous par-ci, quelques euros par-là. Mais enfin, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Ben c'est vrai ça! Pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt? Mais, ça fait deux jours que j'essaye de te parler, enfin de vous parler, mais personne ne veut m'écouter. Ah bah, évidemment, tout le monde se mobilise pour sauver le soldat Simon et sa copine Ginette des griffes de Roberta, tout en oubliant qu'elle est aussi venue pour une histoire de fraude fiscale.
et de fausses factures. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous? Oh, rien. Mais si, tout. Enfin, Didier, t'as quand même pas fait ça. Oh, Simon, hein. Je suis sûr que tu te fais des idées. Ta comptabilité est limpide. Ouais, comme du jus de boudin, tiens. Papa, je comprends plus. Tu veux dire que Roberta est aussi venue pour toi? Oui. Mais comment sais-tu? Ben c'est ma secrétaire qui a été prévenue de son arrivée, figure-toi. Sans pour autant savoir, évidemment, que tu aimes la livrer à domicile. Oh merde! Ah oh, mais je pouvais pas savoir. C'est vraiment le hasard. Je suis vraiment désolée. Eh ben écoute, ne le sois pas. C'est ce qu'on appelle le complexe de la tartine ou la loi de l'emmerdement maximum, voilà. Mais qui ça? Non, pas la peine d'aller chercher si loin, Jules, c'est moi. Ainsi, quand une tartine vous échappe des doigts, ben, elle tombe tout le temps sur le sol de tes confitures. Hein? Ainsi, on a réussi l'exploit de réunir sous le même toit un travailleur de billets douteux, celui-là, un fraudeur fiscal, moi, et pour couronner tout, on a même invité le juge qui va nous coller au trou. Voilà. Je pensais que pour Ginette et pour moi, c'était... Oh, mais Michel ne pouvait pas le savoir. Oh. Et puis, de toute façon, cela ne change rien. Que voulez-vous que je vous dise, mon pauvre Didier? Vous avez magouillé, bien, vous avez magouillé, hein. Et quand je voyais tout ce train-là, la soif de luxe, c'est une fuite en avant. Hein. Et plus on en a, plus on en veut. Ouais. C'est un cercle vicieux. Et l'argent tourne la tête. Ouais. Ah. Et mon Jules était resté. Hein. Ben, il aurait refait la salle à manger. Non mais dites donc, les Peter Sisters, là ça va aller, oui. Parce que vous voulez que je vous dise, moi, combien vont goûter vos œuvres de charité, vos séjours en thalasso, et votre Jules, belle maman. Vous croyez peut-être qu'il est allé gobaner sur la muraille de Chine avec des tickets resto, hein? Et vu l'augmentation, hein, sur la muraille de Chine, vu l'augmentation constante des prélèvements, j'ai l'impression que le bol de riz a sacrément augmenté à Pékin cet an dernier. On est vrai que j'ai eu quelques faux francs. Non, on est vrai, Jules, pas des faux, Jules, des vrais. Vous n'aurez qu'à demander au banquier, d'ailleurs, qui était chargé d'abonder votre compte numérotaire Monte Carlo. Alors, ne nous énervons pas. Lorsque Robert Pratt arrivera, nous lui demanderons des explications. Et comme elle est amie avec Michel, on pourra transiger, n'est-ce pas, Michel? Ah oui, Roberta est fonctionnaire et elle est proche. Mais je sais pas si vous saisissez bien la situation là. Mais l'usine risque d'être liquidée, les actifs vont être vendus, et si j'ai bien calculé, nous n'aurons plus un copec, plus un rond. Je risque d'être inculpé pour fraude fiscale, peut-être même d'aller en taule. Alors, vous là, préparez donc les cabas et restez, renseignez-vous sur l'adresse des Restos du Cœur. Hein? Quant à vous, pourquoi pas? Si la Chine, enfin non pas la Chine, le Mexique vous intéresse toujours, apprenez le ménager. Hein? Tu exagères toujours. On dirait que tu veux noircir volontairement le tableau. Moi j'exagère, mais c'est la stricte vérité. Dans un moment, Roberta va arriver et elle va me dire... Monsieur Bertrand. Qu'est-ce que...